Salut les gars. Dans cette vidéo, on va devoir deviner quelle galette est surgelée versus deux grands pâtissiers. C'est parti. Let's go. Alors, qui commence? Shifumi? Kwakubé? Vas-y, Shifumi en un coup. Elle est crampée. Shifumi. Shifumi. Allez, t'as gagné. C'est qui commence? C'est toi. Ok, vas-y, go. Round 1. On commence directement avec notre chouchou. Notre chouchou. C'est Cyril Lignac? C'est Cyril Lignac. Cyril Sia. D'ailleurs, bonne année à tout le monde. Eh, bonne année. Eh, bonne année, bonne année, bonne année. Est-ce que vous pensez qu'il y a un de nous qui va avoir la fève? Ah oui, les gars. Si on a un de nous, on fait quoi? Celui qui a, si on trouve la fève, on a la part avec la fève, ils doivent s'abonner à chaque fois. T'as capté? T'as les crampetés? N'hésitez pas à dire qui est-ce que vous pensez en commentaire qui va avoir la fève en premier. Ouais, moi j'ai toujours la fève. Ouais, moi j'ai toujours la fève, wesh. Donc on est sur Cyril Lignac versus surgelé. Ouais, par contre surgelé, quand tu la coupes, elle descend d'un étage. Mais je sais où elle est, Raph, donc tu vas retourner encore. Ben oui, non mais bien sûr, je vais retourner. Regardez, de base elle est comme ça et quand je coupe, on va voir comment elle est à l'intérieur. Bon, on nettoie la table après, hein. Non. Maintenant, notre chouchou. Voilà, ça m'a murmuré quelque chose à l'oreille, là. Un peu de croquagne, un peu de picagne. Ah, t'es prête? Ouais, mais je sais laquelle tu as perdu. Mais non, chéché. D'accord. Là, maintenant, comment tu peux savoir laquelle je vais te faire goûter? Là, je sais pas. Ah oui. T'es prête? Bah oui! Allez. Oh, t'as la fève! Eh, il doit s'abonner. Ah, vous devez vous abonner. On l'a dit, hein. Et je vous jure que j'ai pas triché. Je vous ai dit que j'ai toujours la fève. Wesh, incroyable. Eh, ceux qui ont dit que c'était moi qui allais avoir la fève, je vous jure. Oh, la tête de Ham Chéché, t'as la double fève. Même dans l'autre, je l'ai coupée, elle était tombée. Je vous jure que j'ai pas triché. Mmh. La tête de moi. Regardez, elle était Attends, ici. Me dis pas que la. Raph, vas-y à toi. La galette, elle est à même la table? Non. Pas du tout. Mais une assiette. Mais Chéché, pas du tout. Arrête de toucher. Alors attends, et je la pose où ça? Je la pose là dans ton cul. Tiens, elle est pas du tout à même la table. Eh, vas-y, croque là. Je vais finir. Je vais arrêter de faire les tournages avec toi. Chéché, t'as les deux fèves en plus. Je vais la manger à ta place. Vas-y. Allez, dehors. Celle-là, tu remballes. Ah ouais? Mon frère, elle est molle. Première, Cyril Lignac. Deuxième, surgelé. Je peux enlever le. Ouais, non, t'as bon. J'ai bon? Oh, Raph, mais pourquoi j'ai... À la prochaine, on va mettre des deux sous de table. Oui, s'il te plaît. Eh, pour l'instant, t'es sur un sans faute de fèves. Abonnez-vous, vraiment. La surgelée est super bonne. Ouais, c'est vrai que... Au goût, mais la texture, elle est éclatée. Ouais, j'avoue qu'il manque quelque chose. Il nous faut une poubelle de table, Raph. Viens, prends un bol. Popeye. Oula, doucement. Ah, je sais. Le gras qu'il y a sur la table. Allez, on met les dessous. Allez, on met les deux sous de table. Merci. Comme ça, elle va arrêter de me faire chier. J'ai pas dit ce que je pensais de la galette de Cyril. Je la trouve bonne, je la trouve pas exceptionnelle. Ah ouais? Non, moi je la trouve trop bonne. Ah bon? Ouais, des galettes, franchement, je crois que c'est celle que je préfère. Je dirais que, bizarrement, je préfère celle du surgelé. En termes de goût? Ouais, en termes de goût, mais en termes de texture et de comment c'était, franchement, elle est trop molle, celle de chez Bip Bip. Bon, fais gaffe, faut alors, quand même. On est parti. C'est parti. Donc nous avons la surgelée qui se présente comme ceci. C'est une couronne de galette des rois là. Pourquoi c'est rond comme ça? C'est une galette des rois briochée? Oui, c'est ça. Et les là... deux c'est des brioche babka de ce qu'il m'a dit Alex. D'accord, ok. Et là nous avons celle de chez brioche Michalak, je crois. De chez Michalak qui a l'air vraiment délicieuse. Je vais couper. Quand je coupe, c'est smooth. Alors, voyons voir. Hop, je te fais goûter. Prêt? Super bon. C'était grave moelleux. Avec un petit goût de sucre au-dessus. On dirait qu'il y a des noix à l'intérieur. Ouais. Trop bon. D'accord. C'était vraiment bien moelleux. Ok. La deuxième. J'ai ma petite idée déjà. D'accord. Oh! Vas-y! C'est obligé!
Ah, j'ai la fève. Oui. Non. Oui. Non, sérieux? Oui. Hey, tous ceux qui ne sont pas abonnés avant, maintenant vous devez vous abonner. C'est dingue qu'on ait la fève par contre, vraiment, hein, quel hasard de dingue. Et dans l'autre, t'as failli avoir la fève. Ah, j'aime pas celle-là. Genre vraiment dans l'autre. Ah ouais, t'aimes pas? Ah, j'aime pas, je préfère la première. Ah ouais? Ouais. La première, je dirais grand chef, et la deuxième surgelée. Eh ben non. La vie de ta mère? La vie de ma mère. C'est le mytho, ouais. Je te promets. Celle-là, c'est surgelée. Et celle-là, c'est grand chef. Bah, celle-là était super bonne, hein. Ah ouais? Bah, elle est tout à l'intérieur, elle est moelleuse. Je sais pourquoi celle-là, tu l'aimes pas. Devine ce qu'il y a dedans? La fleur d'oranger. Ah bah ouais. Elle est délicieuse. Par contre, elle était vraiment très fluffy, mais fleur d'oranger oblige, je ne peux pas. Elle est bonne, celle du surgelée. T'as vu? Fais goûter. Très bonne. Très riche en pistaches. Elle est trop bonne. Ouais. Elle est bien moelleuse et tout. Mmh. En fait, quand tu m'as dit waouh, quand t'as coupé, tu m'as dit waouh, comment c'est moelleux. Et quand j'ai goûté ça, en fait, je me suis dit c'est moelleux. Ah, j'ai bien fait, tu l'as fait goûter. Ouais, en fait, je pense que tu m'aurais fait goûter où c'est cramé là, j'aurais deviné. Ah, mais j'ai fait exprès. C'est trop bon. Ouais. Non, moi celle-là, c'est dommage parce que c'est exactement la texture que j'aime des brioches. Ouais, mais s'il n'y avait pas de fleur d'oranger, t'aurais kiffé. Ouais, je pense. Et s'il y avait un intérieur surtout pistache, parce qu'il n'y a pas d'intérieur pistache là, regardez les gars. Je sais. Bon, next, t'as perdu, hein. Ouais, j'ai perdu. Après, c'est un peu bâtard parce que c'est un chef qui a fait ça chez Pic. Ouais, mais même. Ouais, mais c'est surjoué. Après. Ah merde, j'ai dit Pic. Bip à chaque fois. C'est à toi? C'est à moi. Prochaine galette, on est, en fait c'est celle-là la plus chère, on est à la galette de la maison d'Aloyo. Oh, d'Aloyo Paris avec Paul & Joe. Oh, tu connais Paul & Joe? Paul & Joe, oui, c'est une marque de sap. Mets-toi ça dans les yeux. Je vais manger une galette fashion. On est sur une galette frangipane, mais il y en a une qui a une forme un petit peu bizarre, d'où je pense la forme de chez Paul & Joe. Oui, elle est comme ça. À l'intérieur, c'est comme ça. Waouh! Magnifique! Ah ouais? Ouais, franchement, à l'intérieur, il est pas mal. Hein. Alors, je vais te faire goûter. Je prends les deux en main. Vas-y. T'as encore la fève. Eh, hey, il faut vous abonner. Tous ceux qui ne sont pas abonnés avant, là, vous vous rabonnez. Et si tu étais déjà abonné, bah, tu mets un like maintenant. La fève va être tombée là ici. Et je vous jure, la tête de ma mère que je triche pas. Bah non, mais comment tu veux qu'on triche? La galette est fermée. Non, ils vont dire j'ai un rayon X. C'est vraiment le goût des galettes que j'aime. Ouais. C'est simple, c'est bon. L'autre. Oh là, là, vas-y. Ah, c'était mon doigt, c'est pas grave. Waouh. Waouh. T'as pas la fève là. Oh là là, waouh. Mais c'est une dinguerie ça. Oh la dinguerie. Prends deck, je crois que c'est la meilleure galette que j'ai mangée de ma vie. C'est la d'Aloyo. Ouais. Je crois que c'est la meilleure galette que j'ai mangée de ma vie. Oh là là. Du coup, celle-là, je vais pas la goûter. Moi, je vais la reprendre en référence pour l'autre frangipane de luxe. Vas-y si tu veux. Vas-y. Oui, tu veux. J'avais une bulle. La Paul & Joe là, ouais. D'Aloyo. J'aime bien le dessus, il est caramélisé. Il y a du chocolat. Non, il est caramélisé, c'est tout. Bon. Non, c'est de la noisette. Il y a de la noisette en fait. Oh là là, elle coûte combien? Je crois que c'était 50 vers là. 50? Ouais. Ah, c'est trop cher. Ah, j'aime pas en fait. Je crois qu'il y a de la fleur d'oranger. En fin de bouche, ouais. Ah ouais, en fait, je retire ce que j'ai dit sur la meilleure truc de ma vie. Ah, j'ai envie de vomir. C'est passé à la pire d'un coup là. Ah ouais. Ah, j'ai envie de vomir. En fait, c'est vraiment à la fin que tu la sens. Écoute, j'ai deviné, non? Oui, t'as eu bon. Par contre, Raph, il est très drôle, ce monsieur. Pourquoi? Je t'ai dit, mets la vaisselle dans le lave-vaisselle pour faire tourner le lave-vaisselle. Mais je l'ai fait tourner. T'as fait tourner le lave-vaisselle, mais t'as pas mis la vaisselle dans le lave-vaisselle pour faire tourner. Bah, il y avait plus de place. Mais fallait juste vider le lave-vaisselle vu que c'était propre. Alors, on a. Oh purée, j'ai failli perdre une galette. Une galette basique, surgelée, et la galette de Monsieur Michalak. Alors, wow, la découverte. Non, c'est bien. Moi je fais. Ouais. Attention. Wow, la dinguerie. Vraiment mannequin sans Je crois que c'est celle-là qui coûte cher de chez Michalak.
Ah ouais? Ouais, je crois que la brioche était pas si chère. Écoute, et... elle est, elle a l'air incroyable. Oh là là, ce craquant. Wesh! Oh là là! Ça m'a dit des mots dans les oreilles. Waouh, c'est trop. T'es prêt? Allez. Wesh. On dirait que tu coupes du carton. Non, 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 elle a l'air extraordinaire. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Bon, bah écoute, on passe à la dégustation. Alors, on va goûter... voilà, je mets les deux parts à côté. Qu'est-ce qu'on va goûter? Ouais, c'est bon, je sais. Jamais eu autant de poussière dans la bouche. Non, mais c'est parce que je t'ai donné un autre côté. Moi, je t'ai pour faire blaire. Tiens. Mais bah, maintenant, je sais, là. Oh. Frère, tu m'as donné que de la poussière. Bon, ok, c'est bon. Bon, en tout j'ai cas, que du papier crépi. Goûte ça. Oui, allez, donne-moi la michalac. Oh, je suis en train de galocher quelqu'un ou quoi là? J'attends. Je parle aux gens. Oh my god. Attends, laisse-moi attendre. Je vais pas te faire déranger. Attends, je vais goûter aussi. Alors, bon là j'ai gagné. Hein. Regarde comment elle est belle. La dernière c'est la Michel. Incroyable. Mais regarde autre chose. Ah j'ai la fève. Abonnez-vous. Eh franchement, si vous n'êtes pas abonné depuis là, franchement ça mérite. Hein. Franchement j'ai tout le temps la fève. Calme-toi, c'est moi qui l'ai la fève là. Et c'est moi qui ai coupé. Mais calme-toi, ça veut dire que c'est moi qui ai le plus de fève alors c'est moi qui ai coupé. Ah non, non, c'est moi qui ai eu la fève. Ouais, ouais. Fais-toi, fais-toi. Ouais, ouais. Je vais dire un truc. Elle est bonne, elle est délicieuse, ouais. Incroyable, mais ça me fait pas penser à une galette. Tu vois ce truc de la galette où tu sens la frange. Alors que Cyril Lignac, là, si t'as fait une galette, genre, tu vois, qui est incroyable. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Parce que je trouve que justement. Non, c'est un gâteau pour moi. Non, bah non, c'est pas du tout un gâteau. C'est vraiment une galette parce que y a la pâte feuilletée et il y a énormément de frangipane. Et je pense que Michalak a voulu mettre énormément de frangipane. Ouais, mais... Parce pour les gourmands de la frangipane comme moi. Et ouais, je délicieuse, la trouve délicieuse. Avec cette petite. Un peu caramélisé là-haut. Quoi? Hein, c'est un morceau dur de frangipane. Non. Ça, je peux porter plainte. Hein. C'est quoi? J'ai eu un bout de verre. Non, c'est pas du verre. Raph. C'est du verre. Ah ouais, c'est du verre. Bah, c'est la fève. Mais non, mais c'est un éclat de fève. Ah oui, c'est un éclat de fève. Ça aurait pu être très grave, ça. Bon, c'est pas grave. On t'en veut pas, elle est bonne, Michalak, la galette. Pas le crever, hein. C'est pas grave, c'était pas moi. Bon, en tout cas, moi, elle est bonne, mais pour moi, c'est pas une galette. Elle est très bonne, moi, j'aime bien, même si je vais y crever. Pour moi, tu l'en veux. Bah oui, parce que je trouve ça grave. Moi, je suis le genre de meuf relou. Je suis une carène des trucs de réclamation. Passe mytho. Hop, je mets la petite fève derrière. Parce franchement, que... on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 5 fèves. Si sur les 5 fois, tu t'es pas abonné, franchement, ça se fait hop. Ça se fait parce que le sort veut que vous abonniez. Et ça veut dire que t'auras jamais de fève de ta vie, voilà. Et jamais de sens. Et sens. Je sais pas si c'est sauf. Et t'auras jamais de chance. Tu vois, des gens comme nous, on a beaucoup de chance. Parce que je t'ai. Et moi aussi, j'ai beaucoup de chance parce que je t'ai. Ouais, je suis en train de boire. Bah, désolé de prendre soin de toi. Bah, je m'en fous, me prends soin pas de moi quand je bois. Allez, tiens, là, dernière. Alors, je crois qu'il y en a une à la pomme et il y en a une au citron. Alors non, alors non. Franchement, les délires de galette des rois au chocolat, à la pomme, au citron, c'est non. Une galette des rois, c'est à la frangipane. Qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est comme si on disait, attends, un chausson aux pommes à l'abricot. Hein? Un chausson aux pommes, c'est à la pomme. Rien à voir. Une galette, ça veut pas dire à l'amande, genre. Bah si, parce que si c'est pas à l'amande, c'est pas une galette. Bah si. Bah non. Tu dis n'importe quoi, là. Bah moi, je suis pas d'accord. Là, tu dis que de la merde. Est-ce que tu vas avoir la fève? Franchement, si t'as la fève sur cette petite portion, là, j'ai tout fait pour pas que tu l'aies, genre. Ah ouais? Putain, t'as voulu me saboter. Regardez comment elle est. Elle est bien chargée, hein. Franchement. Qui a fait ça? Claire Esrel. Une femme, enfin. Oui. Allez, on goûte? Bah ouais. Et je crois que t'as pas la fève dans les deux là. De toute façon, ils sont déjà tous abonnés. Attends, j'ai caché quand t'as goûté.
Oh, bon, je termine sur une mauvaise note, quoi. Ouais. C'est un chausson en pomme mal fait, là. C'est un chausson en pomme cru. T'as pas la fève. Ouais. Non, c'est bon, quand même. Ah ouais? C'est au citron. Au yuzu. Oh, c'est très très bon. En fait, je pensais que c'était à la pomme. Ah ouais? Mais non. Elle est délicieuse. Ah ouais? Ouais. Délicieuse. Oh là là. Ah, j'aime pas. Non. En fait, c'est pas très agrume, hein. Non, pas dans les... Le citron, j'adore. J'adore le citron. Et elle est très bonne. Ça. L'eau citronnée, j'aime bien mettre du citron partout dans ma viande et tout. Celle de Claire et celle-là, c'est celle de Surgelay. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, franchement, Claire, bravo, parce qu'elle est vraiment très bonne ta galette. Ah, il y a de la fleur d'oranger. Non. Si. C'est du yuzu. Non, il y a de la fleur d'oranger, je le sens. Bon, bah voilà. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui as le plus de fèves. C'est moi qui ai tous les abonnements. En tout cas, allez regarder la vidéo où j'ai goûté tous les nouveaux produits de 2024, elle est juste ici.